Wesh les sorts, j'espère que vous allez tous bien, c'est Big Alan. Aujourd'hui on se retrouve pour un jour très exceptionnel parce que j'ai reçu enfin mon nouvel ordinateur parce que comme vous pouvez le voir dans la vidéo précédente, enfin il y a trois vidéos précédentes, Roger est décédé meskin. Du coup j'ai investi, je me suis endetté pour vous. Je me suis vraiment endetté parce que si vous voyez mon découvert là, je suis à découvert sur mon compte bancaire. C'est la moitié d'un SMIC, mon découvert. Si vous voyez, vous allez vous affoler. Et je mens pas, hein, c'est vraiment la moitié d'un découvert. Hein. Voilà. Du coup, j'ai investi pour vous, pour moi, pour la chaîne YouTube, à un ordinateur portable gamer pour que je fasse mes vidéos, les montages plus rapidement. Et surtout, moi qui aime bien les lives, là, il y aura des lives qui vont plus bugger. Du coup, je me suis pris le MSI Stell, Stell Pro. Désolé de mon accent English. J'ai 63 avec un processeur i7, 8e génération, hexa-core et tout. Tu m'as compris, moi je connais pas tout ça. Du coup, voilà, là dans la boîte, tu peux voir la petite bête, la bestiole. Ouais, tu vois que c'est mon lit. Ensuite, je me suis pris GTA 5. Tu vois le délire, GTA 5. Et Pakatokopo, tu peux voir, bon, le carton il est là, il est gros, tu as vu, tu peux voir, et un sac pour le transport, tout simplement, voilà, c'est pour bien le transporter, et aussi dans ce sac il y a, regardez le beau sac. Il est beau, hein. On va l'ouvrir ensemble. Alors, comment on l'ouvre? Comment ouvre-t-on le? Moi, bien parler la flèche. Franchement, je suis content, les gars. Je suis content, mais bah, ça fout les boules de mettre 1 600 € sur un ordinateur comme ça. Mais bah, je me dis que c'est un investissement pour la chaîne YouTube. Bon. Le sac, il est bien, bon, il est bien plastifié. Du coup, voilà, vous pouvez voir comment il est. Voilà, parce que j'ai pas de ciseaux à disposition. Et voilà, vous voyez que c'est un beau sac. Peut-être que je vous le montrerai tout à l'heure. Ensuite, à l'intérieur, c'est pas tout. Il y a aussi un tapis de souris MSI. Voilà. Un tapis de souris MSI. Et qui dit tapis de souris dit aussi souris, ma foi, le sang. Voilà, elle est là, pardon. Souris gamer, MSI. Ça, on peut l'ouvrir parce que même ça, c'est scellé. Eh bien, c'est le tout, hein. MSI. Enfin, au du commerce, vous scellez tout. Touk-touk. Cette vidéo sera faite sans montage. Elle sera vite mise sur YouTube. Voilà, tu vois la belle souris gamer. MSI. Tu vois? Voilà, une très belle souris. Avec un beau tapis de souris. Et un beau sac. Alors, tac. Maintenant, on va s'attarder un peu plus à la bête. Et j'ai pas pris de ciseaux ou de couteau, du coup je vais aller en chercher, je reviens tout de suite. Bon, du coup les sangs, je me suis pris une petite paire de ciseaux, tu vois, et on pourra faire le déballage du sac. Voilà, je suis avec le sac là, on peut l'ouvrir maintenant. Voilà comment on ouvre. Ah, vous voyez pas, ah, c'est pas grave alors. Tac. À préciser que cette vidéo, c'est moi qui a tout payé de A à Z, même les frais de port, j'ai payé. J'ai eu un souci avec Colissimo, pardon. Je devais être livré hier et j'ai été livré aujourd'hui. Tard, voilà, vous voyez le sac, magnifique. Voilà, bref.
on va plus s'attarder à l'ordinateur parce que c'est le plus important, tu vois. Tac. Alors, comme je l'ai dit, c'est une vidéo sans montage. Hein. Ça veut dire s'il y a des blancs, c'est normal. Hein. Alors, tac. Pa. 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 Pa, yeah. Il est magnifique. T'imagines, c'est là où il m'envoie un Stel G65. Alors que je n'ai même pas demandé un G65. Alors, tac. Là, je suppose qu'on trouve toute la documentation, le chargeur et tout. Bon, c'est plus le chargeur, le bloc charge et le bloc secteur 220 volts, comme tout le monde connaît. Et l'ordi est très très bien protégé et très bien emballé dans une boîte très sobre, vous voyez. MSI. Voilà, tac, MSI. Magnifique boîte, franchement. Bravo. C'était mon rêve d'avoir un MSI dessin. Et je vous ai fait un sondage sur Instagram. Donc, n'hésite pas à me suivre sur Instagram. Je vous ai demandé pour mon prochain ordi en septembre. Finalement, je l'ai pris là. Parce que je pouvais. Laisse ça. Je sais pas si vous aussi. Est-ce que vous pouvez vivre sans ordinateur? Voilà, parce que moi j'arrive pas à vivre sans ordi, c'est impossible. Voilà. Du coup là tu vois, attends, on va descendre un peu. Tac, voilà. Attends, on va monter un peu, voilà. Et là, on va faire un petit déballage. 3, 2, 1. Malheureusement tu vas pas voir l'ordi tout de suite parce que il est emballé, voilà. Papa, magnificos. Magnifique, il est fin et tout. On va le regarder après parce qu'il faut que la vidéo dure longtemps pour rentabiliser la vidéo avec la YouTube Money, tu vois. Ah, je rigole. Là, tu vois la documentation technique. Comme tous les YouTubeurs qui le disent, est-ce que vous regardez, vous lisez la documentation technique? Moi, oui. C'est pourquoi? Parce que s'il y a un souci dans mon ordi, eh bien, il y a les questions-réponses, tu vois. Et voilà. Bref, attendons-nous maintenant à la bestiole. Et on va bientôt, je ferai une vidéo pour lui donner un prénom. Parce que, tu as vu, mon ordi s'appelle Roger. Là, il faut lui donner un autre prénom, tu vois. On va lui donner un prénom, tu vois. Papa, magnifique. Il est pas beau. Regardez-moi ça. Regardez-moi. Ça, cette beauté. Avec le dernier processeur i7 de cette année. Oh, magnifique. Il est pas beau. Regardez-moi cet ordi. Franchement, très bon investissement. Il est magnifique. Alors, je vais vous zoomer sur les caractéristiques techniques. Alors, tu peux voir. Ouais, je filme avec mon téléphone parce que si je filme, ma caméra elle est en train de charger, pardon. Tu peux voir qu'il a une Core i7 de 8e génération, hexa-core, ça veut dire qu'il a 6 cores, hexa ça veut dire 6, octo ça veut dire 8, et quad ça veut dire 4, voilà, pour ceux qui ne savent pas. c'est un Stel série, ça veut dire le clavier il est rétro-éclairé de toutes les couleurs. L'écran, c'est un écran Full HD. J'ai pas pris le 4K parce que il était pas. Non, il y avait le 4K, mais c'était l'i7 de 7e génération. Et moi, je veux le 8e génération, tu vois. Du coup, voilà, bref. un écran Full HD à 120 Hz avec un délai de 3 millisecondes. C'est-à-dire qu'il est bon pour le gaming. Couleur boost Trinity, je connais pas. SSD, oui, dernière génération de SSD. Voilà, il a 1 Tera de disque dur et 256 Go de SSD. Voilà.
Re, ça avait coupé parce que j'ai attendu 10 minutes, parce qu'il me restait 10 minutes, du coup j'ai dû resupprimer les données. Du coup, on était au disque dur, voilà, je vous dis qu'il a 1 TB, 256 Go de SSD. Dragon Center, je sais pas c'est quoi. Thriller, je sais pas c'est quoi. C'est pour ça qu'il faut regarder la documentation technique. Et il a le Wireless Audio. Ça, c'est une très bonne norme audio, tu vois. Bien sûr, il a un port HDMI. Après, si tu... On va le fermer délicatement. Si on regarde là, tu peux voir qu'il a un port USB 3.0, un port USB type C, un port HDMI à l'envers, un port DisplayPort, le truc pour la charge, un ventilateur, le bouton on-off. Ensuite, Ah, pardon, je me suis trompé de l'autre. C'était des ports USB 2.0. Là, tu as l'entrée micro, l'entrée casque, enfin la sortie casque. Trois ports USB 3.0. Le port de micro SD, enfin carte SD, pardon. C'est pas micro SD, mais c'est carte SD. Un port RJ45 et le port pour la sécurité pour mettre un antivol. Voilà. Et là, si tu touches, c'est comme de la moquette, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Ah oui, je vous ai oublié de vous dire qu'il a une carte graphique, une GTX 1060 avec 6 Go. Voilà. Voilà, c'était la petite présentation de mon ordinateur. Il a 8 Go de RAM. Tu as vu, c'est un test. Enfin, c'est pas un test, c'est une présentation à l'arraché, à la vite fait. Voilà, les ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Du coup, on se retrouve très rapidement pour un nouveau live. Très rapidement, et là, il va durer longtemps parce qu'on va faire les fous et tout. Et voilà. Surtout, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager. Et moi, je te dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao le sang.